Yahoo, petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo achat du mois de mars. Et à savoir, que de base, j'avais prévu un objectif de zéro achat, entre grands guillemets, parce que je m'étais accordé quand même quelques titres que je savais. Voilà, je m'étais listé moi-même 2-3 titres où j'allais m'autoriser à faire de l'achat. Mais sinon, l'objectif était donc zéro achat. J'ai plutôt bien respecté mon truc. Après, il faut savoir que j'ai eu aussi du White Day. Voilà, le retour de la Saint-Valentin. Et j'ai acheté aussi quelques mangas à cause du confinement. Voilà, donc s'il n'y avait pas le confinement, franchement, c'était bon. Et voilà, donc je vais te montrer d'abord ce que j'ai eu via le White Day. Et après, je te montrerai du coup tout ce qui est justement manga acheté et après confinement. Donc pour ce qui est du White Day, j'ai eu ce titre. Alors, je ne veux plus dire de bêtises. Hubel Blatt, je suppose. Alors après, n'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'il y a un tome 0, est-ce qu'il faut le lire avant ou pas? Parce que je suppose, hein, ça paraît logique, mais je sais qu'il est sorti après que la série ait commencé, donc voilà, ça, je me posais la question. Ensuite, j'ai eu aussi le tome 1 et 2 de Dolly Kill Kill. C'est un manga que je dois lire depuis une éternité. J'avais fait un extrait manga, j'achète ou pas, et j'avais surkiffé. Et la série est terminée depuis un petit moment. Je te mets la date au-dessus. Mais je n'ai jamais pris le temps de les acheter, donc je les ai eu au White Day. Voilà. Ensuite, ça c'est des achats qui ne comptent pas réellement, dans le sens où je les ai achetés en février. Sauf que tu connais le site Momox, ça met plus d'une semaine à arriver. Donc, voilà. Mais sinon, c'était pas acheté en mars même. J'ai pris Danganronpa tome 1, la saison 1, parce que je n'ai pas encore lu le manga. A savoir qu'il est terminé, je crois, en 4 tomes. Il y a la saison 2 qui est sortie. Donc voilà. Sachant que moi, j'avais fait l'anime à l'époque. J'ai regardé la saison 1 l'anime. Je n'avais pas trouvé la saison 2 à l'époque. Donc voilà. Ensuite, Bright Cage Castle, j'avais fait un extrait manga, j'achète ou pas, ça c'est des éditions Doki Doki, et j'avais bien aimé, donc je m'étais dit pourquoi pas, la série est terminée en 4 tomes, c'est la collection Halloween, donc voilà. Et Relife, voilà, j'ai acheté juste le tome 1 parce que je me dis que si je kiffe, après je me prendrai peut-être un lot sur Vinted ou une connerie dans le genre, mais voilà, je voulais quand même tester, et puis ça me faisait aussi avoir les frais de port gratuits par rapport à Momox. Et en même temps, voilà, je voulais découvrir quand même. Alors, ce qui est réellement des achats du mois de mars. J'ai vachement acheté. Hein. On est d'accord. Ah mince, j'ai oublié un titre. Donc, il en manque un. Donc, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vachement abusé. Kelly, donc, Cuties Manga, arrêté justement la journée où j'ai fait les shopping avec elle. Dire, t'achètes, t'avais dit zéro achat. Oui, je m'étais autorisé quelques titres. Donc, je me suis autorisée, on va faire ça dans un ordre de logique. Je me suis autorisée les deux œuvres, donc du coup, Sayonara Mini Shirt, que je présenterai lors d'une vidéo What New, et Histoire Courte, qui est du même auteur. Donc lui, par contre, je ferai une vidéo à part. Je me suis autorisée, du coup, Shino ne sait pas dire son nom, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ensuite, j'ai acheté, donc ça c'était prévu, Citrus. Voilà, parce que j'avais dit du coup que je ferai une vidéo spéciale What New Yuri en te présentant le tome 1 de Citrus, le tome 1 de Octave, le tome 1 d'un autre Yuri que Cuties Manga m'a prêté et Plongée dans la nuit qui doit sortir normalement fin mars. Donc est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on l'aura pas? Bonne question, voilà. Et ensuite, ça c'était un achat qui n'était pas prévu. J'ai acheté donc le tome 1 de My Fair Honeyboy, voilà, de Akata. Tout simplement parce que normalement il y avait une promo du coup pour le 19 mars. Et on devait avoir du coup, si on achetait un tome, le set de marque-page. Et donc je pensais acheter le tome 2, 3 et 4 pour cette occasion-là. Et donc avoir lu le tome 1 aussi avant. Et le tome 1, je l'ai présenté la veille de cette promotion, parce que justement c'était histoire de mettre en avant aussi cette c'est pas une promotion, c'est une opération commerciale, toujours est-il, voilà. Donc j'ai abusé de un titre et j'ai acheté donc Transparente des éditions Kurokawa, mais j'avais prévu, il serait dans une vidéo What New du coup spécial février-mars avec Sayonara Mini Shirt,
Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Donc on va continuer avec mes achats spéciaux confinement. Donc j'ai acheté, alors c'est pas un manga, c'est un vrai livre, Captain Tsubasa, comment j'ai créé Captain Tsubasa, fait par Manabook. Voilà. Sauf que moi, je sais pas si c'est un problème de juste à la fabrication ou autre, mais j'ai un gros défaut de fabrication. Donc là, tu vois, on est à l'avant, ça c'est l'arrière, tout va bien. Mais quand tu ouvres la première page, t'es à la fin. Et quand tu ouvres la page de fin, t'es au début. Donc c'est dans le sens français. Donc je galère encore plus à lire. Alors que c'est déjà, c'est un vrai livre. Alors déjà, ça c'est très galère pour moi. Mais alors en plus, si on me le fout dans le sens français, je suis perdue. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci. Parce que Cutis devait me le prêter. Mais comme ça me... Enfin, ça fait un petit moment qu'elle devait me le prêter. J'ai préféré me l'acheter. C'est Pokémon, les origines du phénomène planétaire. Donc en fait, c'est un... Mais il y a un peu de... Voilà, c'est une BD en fait, il y a du texte, mais c'est en manga. Et je pensais en fait que Captain Tsubasa c'était la même chose, mais pas du tout. Et ça, c'est des éditions Kurokawa. Ensuite, pour une vidéo What New, donc la fameuse vidéo où tu auras transparente et tout ça, j'ai acheté aussi Drifting Dragon, le tome 1. Voilà, je me suis dit, ça me ferait une lecture de plus pour le confinement. Voilà. Donc rien à dire, j'ai fait une vidéo extrêmement engagée, j'achète ou pas, je te la mets en i si tu n'as pas encore vu. Et encore le dernier achat du coup, et donc tu vois quand même que ça a été plutôt rapide vu que je vois que la vidéo fait 7 minutes. J'ai acheté un lot sur Vinted du manga Le Pavillon des Hommes. Voilà, c'est un manga qui est actuellement déjà en 14 tomes. C'est des éditions Kana et c'est un manga qui me fait l'œil depuis, je crois, le début de la série. Je vais regarder quand même de quand date le tome 1. Dépôt légal 2009, apparemment. Donc, ouais, 2009. Donc, ouais, ça fait depuis 2009 que la série m'intéresse et j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. En même temps, c'est une série qui est très longue à sortir hein, parce que 2009, on a 14 tomes. Voilà. Mais c'est un manga qui m'intéresse depuis une éternité. On est à l'époque tout ce qui est samouraï, etc. La qualité de dessin est plutôt pas mal. Attends, je cherche une page intéressante à te montrer. Voilà. Ça, c'est vraiment une époque que je surkiffe et qui me fascine. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi m'y intéresser. Waouh, wow, le travail des bâtiments. Mon Dieu. La beauté, regarde-moi cette beauté. Voilà, donc j'ai pris un lot en fait où j'avais le tome 1, 2, 3, 4, 6. Oui, la personne n'avait pas le tome 5, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois qu'en fait il a lui-même racheté le lot et qu'en fait il a jamais lu la personne. Donc voilà, ça me dérange pas parce qu'en fait je me dis que déjà je me ferai pendant le confinement un crash test sur les 4 premiers tomes. Je te ferai une vidéo du coup crash test sur les 4 premiers tomes. Et si ça me plaît, bah, j'achèterai le tome 5 et j'aurais plus qu'à acheter après le tome 7. À savoir que, bah voilà, c'est tout. C'est une œuvre qui me fait de l'œil et j'ai craqué quand j'ai vu. En fait, j'ai cherché par curiosité s'il y avait et il y était. Donc je me suis dit, ok, ça c'est un signe du destin, il n'y a qu'un seul lot, prends-le. Et bah voilà. Donc cette vidéo achat manga du mois de mars est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas à me dire toi quels ont été tes achats du mois de mars. Et est-ce que tu as pu te faire aussi une petite pile à lire spéciale confinement? Sur ce, à bientôt!